L'Armée nationale populaire, ANP, est l'appellation officielle, en partie inspirée de la Nationale Volksarmee de l'ex-RDA, qui a été donnée à l'armée algérienne depuis l'indépendance de l'Algérie en juillet 1962. Composée des commandements des forces terrestres, navales et aériennes, ainsi que d'un état-major responsable de l'emploi et de la préparation des troupes au combat. Le sommet de la hiérarchie militaire aboutit directement au chef de l'État, constitutionnellement chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale. Sur le plan historique, l'Armée nationale populaire algérienne est l'héritière du bras armé du Front de Libération Nationale, FLN, l'Armée de Libération Nationale, ALN, qui combat l'armée française, de 1954 à 1962, à Cordevian, une partie des membres de ces formations conserve leur cadre originel d'officiers et de soldats de base au terme des 8 années de la guerre d'Algérie. Dès le cessez-le-feu marquant la fin des combats de la guerre d'Algérie, des règlements de compte éclatent entre l'armée des frontières, dont les unités étaient stationnées en Tunisie et au Maroc, et les maquisards, dits combattants de l'intérieur, pour le contrôle du pouvoir après l'indépendance. 2. À la sortie de la guerre, l'Algérie apparaît aux yeux du tiers-monde comme un symbole de la lutte pour l'autodétermination des peuples, et de la lutte contre le colonialisme sous toutes ses formes. Les positions anticolonialistes de son gouvernement, ainsi que l'inscription idéologique de la nation dans la sphère socialiste pendant la guerre froide, renforcent le rapprochement avec l'Union soviétique. C'est la raison pour laquelle l'armée nationale populaire devint à l'indépendance de l'Algérie le second pays africain, après l'Égypte, à obtenir la plus grosse assistance militaire de Moscou. Fort de la proximité avec l'Union soviétique, l'Algérie procède pendant les années suivant son indépendance à la mise en place d'une armée moderne et organisée, avec l'aide de Moscou qui fournit l'essentiel de l'armement, et qui assure la formation de la majeure partie des militaires algériens.